c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, justement, pour vous parler. Est-ce que sur cet extrait... À cet au programme, on a une chienne dite dangereuse, une chienne catégorisée, dangereuse, déclarée depuis 19 ans. Ça dure. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ben, c'est une connerie où, si tu veux, Yves, les médias ont montré à une époque des jeunes qui utilisaient ces chiens un petit peu à des fins délictueuses, et le pire, c'est que le législateur les a crus. Bon, alors on va la faire changer, cette loi, il faut qu'elle change, ça va pas durer quand même. Ça fait 19 ans, il est grand temps qu'on arrête, parce que effectivement, on a des pays comme le Pays-Bas ou l'Italie qui ont abandonné. Et nous, on continue à s'obstiner. Mais en plus, il y a plein d'experts, vétérinaires, comportementalistes qui sont contre cette loi. Alors arrêtez de faire des lois stupides, consultez les spécialistes et vous verrez, les chiens s'en porteront mieux, mais les humains aussi. Est-ce qu'il faut enlever la loi pour les chiens catégorisés? Donc, moi, je vais vous donner mon avis, parce que là, vous avez le droit de donner votre avis. Marquez-moi en commentaire si vous êtes pour, justement, parce que dans cet extrait, il explique très très bien en disant que c'est bien les maîtres qui font que le chien devient agressif et non l'inverse, c'est le chien de nature, il est né comme ça, il est né pour attaquer, être méchant, pas du tout. Et ça, il l'explique bien, mais vraiment bien, et de manière normale que tout le monde puisse comprendre. Et c'est dans un genre de congrès, c'est un salon du chien qui présente et pour parler, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ne l'ont plus, cette loi de catégorisation, et ils se portent bien et personne ne s'en plaint. Donc, est-ce que vous êtes pour, contre? Donnez-moi votre avis, que j'y réponde dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus, la team. Lâchez le gros like des familles, le commentaire qui fait toujours plaisir. Le like bien sûr. Suivez-moi sur YouTube, Twitter, Facebook. Et je vous dis à plus, c'était Apprenti Dog.